Je veux savoir si 24 sur 96 est égal à 9 sur 36. Je vois que je peux simplifier plutôt facilement la première fraction par 2. Donc 24 égale à 2 fois 12 et 96 2 fois 48. J'obtiens donc 12 sur 48 que je vais simplifier à nouveau par 2, quoique je vois plus rapidement, par 6. 6 fois 2 sur 6 fois 8. Donc ça fait 2 sur 8. Et 2 sur 8, je peux encore le simplifier par 2. 2 fois 1 et 2 fois 4. J'obtiens donc 1 quart. À 9 sur 36 maintenant, que je vais simplifier. 9, c'est 9 fois 1. 36, c'est 9 fois 6. 9 fois 4, pardon. Je simplifie par 9, je trouve 1 sur 4. Il y a d'autres façons de simplifier, celle-ci est très rapide. Donc les deux fractions sont égales à 1 quart. Donc les deux fractions sont égales entre elles. Donc 24 sur 96 est égal à 9 sur 36. Je n'oublie pas d'encadrer. Sur mon cahier, je le fais à la règle. Alors une deuxième façon de procéder, c'est d'utiliser les produits en croix. Ces deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. Donc je vais calculer ce premier produit en croix et ce deuxième produit en croix ensuite. Ce qui va me faire faire des multiplications. Donc je vais commencer par 24 fois 36. 6 fois 4, 24. Je retiens 2. 6 fois 2, 12 et 2, 14. Je décale d'un rang. 3 fois 4, 12. Je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. 4. 6, 8. L'autre multiplication, 96 fois 9. 9 fois 6, 54. Je retiens 5. 9 fois 9, 81. Et 5, 86. Ça va donc très vite. Les deux produits en croix sont égaux. Donc, les deux fractions sont égales. Égal 9 sur 36. Je n'ai plus qu'à encadrer à la règle. Et voilà, c'est fini.